Vous voulez inventer le monde de demain, le monde de 2030. Vous voulez y jouer un rôle, faire partie de l'aventure. Vous voulez être un business développeur qui relèvera les défis de l'innovation, de l'international et de l'adaptabilité des entreprises. Vous voulez faire partie des innovateurs parce que les solutions de demain n'existent pas aujourd'hui. Inventez les nouveaux objets de la société, ceux qui succéderont aux smartphones et tablettes des années 2010. Vous savez que les innovations doivent être bénéfiques et durables, qu'elles doivent respecter les contraintes environnementales dans un monde qui se réchauffe. Vous savez aussi que les objets du futur sont ceux qui rendront le maximum de services et faciliteront la vie de tous. La société de consommation est à la recherche de sens. Vous voulez lui en donner. La notion de frontière sera davantage remise en cause. Les distances seront encore plus réduites. Les échanges avec les autres continents seront aisés et courants. Votre terrain de jeu sera celui d'une société en construction globale au sein de laquelle les opportunités de croissance n'auront jamais été aussi nombreuses. Vous voulez jouer un rôle dans des organisations du futur, plus agiles, plus souples et plus rapides, capables de répondre efficacement aux mutations rapides des marchés. Vous apprendrez sans cesse, afin que vos savoirs ne deviennent pas obsolètes. Vous ferez évoluer vos savoir-faire, car les techniques évoluent avec les technologies. Vous maîtriserez votre savoir-être, car le business appelle des valeurs positives, une attitude responsable, un regard tourné vers les marchés et vers la société. Pour devenir le business développeur de demain, il sera indispensable de développer vos compétences dans les domaines suivants. L'international. Le monde des affaires ne connaît plus de frontières. La maîtrise des langues et la connaissance des cultures et des sociétés étrangères sont au cœur des compétences à acquérir pour devenir les développeurs d'affaires de demain. L'innovation. Les cadres de réflexion d'aujourd'hui ne sont pas ceux de demain. Vous devrez les inventer. L'innovation demande de la curiosité, de l'ouverture d'esprit et la capacité de travailler en équipe. L'adaptabilité. Vous devrez acquérir la capacité de renouveler vos propres savoirs, car en 2030, on ne cessera de créer et d'utiliser de nouvelles connaissances. L'éthique. Les plus beaux projets tiennent compte de leurs responsabilités vis-à-vis de la société. Ils ne se font pas à tout prix, mais répondent à des valeurs: respect, confiance et partage. L'ouverture. Pour imaginer le monde qui change, il faut avoir une vision à la croisée des sciences et des disciplines, en dehors de tout cadre réducteur. 2030 sera passionnante, faite de projets et de réussites. Si vous voulez conduire les entreprises et les organisations de demain vers un monde plus performant et plus responsable, plus efficace et plus durable, plus technique mais surtout plus humain, alors cette aventure humaine se dessine devant vous. Pour en relever les défis et devenir les business développeurs de demain, rendez-vous sur le site de l'ICD International Business School, www.icd-ecoleaupluriel.com.